Eh bien, salut tout le monde, c'est LightPixel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Light in Atlantis sur la map de PG5 ou PG5 qui a fait cette map. Et donc, on avait dans le premier épisode fait pas mal de choses quand même, néanmoins. On a fait de la stone, enfin, on a fait toutes les choses en stone. Hop. Alors, on m'a dit que la terre servait à beaucoup de choses. Il fallait vraiment avoir une terre avec que ce soit comme ça là, voilà, une grass block. Il fallait vraiment que je l'aie, donc je me le give, sachant que la terre on peut en avoir beaucoup, mais ce bloc il faut vraiment pas le gâcher. Je l'ai gâché comme un con dans le dernier épisode, donc je vais pas le gâcher. On va le placer dans le coffre. Hop. Donc, sachant si on meurt, eh bien, on va poser quelques trucs, parce que sinon, on va tout perdre, si on meurt. Donc la bouffe, si on meurt, ben, on aura toute notre bouffe au régène, ça sera pas un peu du cheat, mais bon, voilà. Donc, là, on va partir en exploration pour trouver du charbon. C'est pas mal de trouver du charbon, quand même. Alors ça lag, je sais pas pourquoi, mais c'est jouable, très 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 jouable. Alors il y a du bois, là il y a du bois partout. Je vais rester un peu par terre parce que je me suis rendu compte qu'on peut pas poser l'eau en l'air comme ça, hop. Enfin, si parfois ça marchait, mais c'était assez bizarre. Alors donc, oui, je comme ça, je commence une aventure directos comme ça, je suis un dingue. Alors, il y a rien, bon, il y a que des arbres. D'ailleurs, des arbres dans l'eau, c'est assez bizarre. Alors oui. Oui, c'est vrai. Fait que je me give ça. Les potions Night Vision. Comme ça, vous y verrez beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Ah, du charbon. On a trouvé du charbon. Ok, donc le charbon, il est là-bas. Je me demande s'il y a des crottes ou pas. Non, je pense pas qu'il y ait des grottes dans un tel univers, mais ça serait spécial, n'empêche. Non, il se pourrait qu'il y aurait des grottes. Hein. On sait pas. Tout peut arriver. Hop. Je sais, ça prend du temps, mais au moins on récolte. Attendez, on va juste faire ça. Tac. Mince. Voilà. J'en suis navré si ça vraiment ça lag. J'espère que au montage ça s'enlève un peu le lag. Enfin s'enlève. Vous avez une petite impression que ça lag pas trop. Oula. Non, non, ah. Aïe, 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 aïe. Non. Non. Voilà. On va plutôt rester comme ça. On va voir si on peut pêcher. Oh oh oh. Voilà. Est-ce qu'on peut pêcher comme ça? Ah mince, je l'ai laissé. Bah si on crève, bah. Ah bah voilà. Déjà, si on fait comme ça. Si par exemple si on fait un abri comme ça, ça sera correct. Bon, je prends un peu de cobble. Alors, on n'a plus qu'un cœur et si on meurt, eh ben, on perd notre stuff. Voilà, notre vision 6. Voilà, donc vous y verrez vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Il y a même des arbres là. C'est un peu chaud avec le verre d'eau. Alors faudrait pas que je crève ici maintenant. Ça serait un peu bête. Est-ce qu'on pourra trouver de l'iron? Ah bah je suis mort. Bon. Bah c'est pas grave. En plus c'est en difficulté hard.
Donc aussi dans les défis il y avait aussi. Oula, pourquoi j'ai fermé? Non. Quel con. Bon, vous me permettrez de faire ça. On m'a dit aussi que je devais me débrouiller tout seul, mais bon. C'est pour faire des conneries pareilles. Ça sert à rien, quoi. J'ai juste enlevé le test survival. Alors, ce que je me guide, c'est vraiment pas du cheat, puisque c'est de la survie. Et par exemple, si je m'étais givé le truc là-haut, j'ai une voix assez bizarre. Désolé pour le toussement. Bah, c'est pas bien grave, hein. Voilà. Oh mince. Ouais, voilà, bon, j'ai. Ouais, c'est comme ça, alors je m'étais crevé. J'ai perdu mon seau. Est-ce qu'on fait. On peut faire back? Non, je vais vite revenir. Ouais, bon. Plein 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 de fails. Je vais activer les cheats. C'est où qu'il faut. Je sais plus. Alors le cheat. Donc là, on va mettre back. Oh là là. Ah, je sais. Putain, mais mince. Comment je vais faire? Comment vais-je faire? Parce que là, j'ai perdu tout mon stuff, je suis comme un con. Alors soit. Non mais si je veux vraiment retrouver mon stuff, il faut impérativement que j'utilise un seau. Je suis désolé. Mais je cheat. Bah, que ça vous plaise ou non, je cheat. Voilà. Après j'enlèverai le seau, évidemment. C'est impératif le seau. Où j'étais parti. C'est vraiment pas où j'ai crevé. D'ailleurs. Ah, j'étais crevé là. D'accord. Non, crève pas non plus. J'étais pourtant là, non? Ça serait vraiment bête si je perds tout mon stuff.
Je crois qu'on le perd vraiment le stuff. Je m'en souviens que j'étais là. Non, non, me dis pas qu'il faut tout que je refasse. Oh non. S'il faut vraiment que je tout. S'il faut vraiment que je refasse tout. Je vais trouver du charbon et tout là. Où est-ce que c'est tombé? Ah, ça va être tombé là-bas. Est-ce que je suis parti? Un poulpe, du charbon. Bon, bah, eh bien. On va se refaire un stuff. Je suis obligé de prendre du bois. Ça met des plombes. Déjà, tac, ça j'enlève. Une petite table de craft. C'est pour prendre du bois. Water bottle, ça fera. Hop là. Ça va prendre un peu de temps. Mais bon. Bon, à moins que je fasse une petite ellipse. Allez, une ellipse. Ellipse, le temps que je fasse tout mon, que je refasse tout mon stuff. Ellipse. Bon, bah, voilà, fin de l'ellipse. J'ai fait un peu du stuff. Enfin, j'ai pris du, de la cobble. Beaucoup. Donc là, il y a du, ah, c'est la merde. Merde, 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 merde. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. Donc là j'ai trouvé du charbon. En gros je viens de refaire tout mon stuff à peu près. Parce que j'ai pas envie de rester 20 minutes à rien foutre. Me suis même mis. J'ai même fait une. Une pioche. Enfin une pioche. Oui j'ai fait une pioche. J'ai fait aussi une hache, voilà. Une hache. Donc j'espère que cette série vous fera toujours plaisir. Vous fera plaisir. Toujours. Je sais pas. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Mince, j'ai fait... Alors évidemment, je me suis givé, enfin, plein 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 de night vision. Parce que night vision, on n'y voit que dalle. C'est... Franchement, je vois pas... Si vous dis... si vous disiez que je triche là, mais... Non, 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 non. Non, 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 non! Oh, je vais pas crever, là. C'est la merde. C'est vraiment la merde. S'il faut que je sois toujours en l'air.
Mais pourquoi il faut toujours être en l'air là? Ça m'énerve. Ça m'énerve, ces blocs. Là, eh putain, il fera plus cher. Allez, on prend juste ce bloc. Et puis on se casse. Encore du charbon. Mais pourquoi je peux pas? Pourquoi non? Non! Oh putain! Ça m'énerve! La table de craft, on la laisse là-bas. Et c'est hyper saoulant. Parce qu'il faut placer toujours le truc et tout. Donc on a découvert, on a pris du charbon. Non mais dis pas que je vais dans une truc. Faut pas que j'aille dans une cave ou autre. Oh mince. Donc là, c'est une cave. Autant faire un breakpoint. Cave. Bon, je fais un waypoint pour dire qu'il y a une cave. Comme ça sera fait. Et on pourra aller explorer la cave plus tard. Alors c'est où? La maison est là-bas. Donc on va tout de suite y aller. Oh là, il y a aussi une autre cave. Attends. Autre cave. On met cave 2. Hop, cave 2. Ok. Bon, j'appelle ça des caves, mais voilà. Donc on ira peut-être. Alors j'ai pris de la sense, si j'étais obligé, pour passer en bas. Sachant que si en fait on meurt, on perd tout notre stuff. Et ça c'est vraiment pas cool du tout. Oh. Ok. Toute façon les invisions, je les balancerai. Ça me servirait plus trop à rien. Allez, rentre. Enfin rentrer à la maison. Bon. Eh bien, j'ai tout ça. Donc ça, on jette. On va tout jeter de toute façon. On fait ça, delete. Hop. Voilà, tout simplement. Ça parce que ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien pêcher. Donc, je vais pêcher. Ouais, on va juste... L'autre, elle est pas... Oui, c'est parti. Encore une fois, si vous me dites que je triche, ben je suis obligé parce que sinon la série durera pas bien longtemps et ce sera pas cool du tout. Mais je sais pas comment on peut. Comment on peut. Ah ouais. Si, je pense qu'il faut faire une mare. Mais pas dans l'eau, hors de l'eau. Oh. Donc, on va
Faire ça d'abord. Tac. Prendre ça. Ok. On va faire une genre de petite mare. De toute façon, ah, la source infinie. Est-ce que dans ça il peut y avoir? Est-ce que ça marche? De toute façon, un peu plus profond. On va essayer de pêcher. Va essayer de pêcher. Je sais pas comment on peut pêcher là-dedans, mais... en tout cas... voilà. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de Light in Atlantis, en espérant que ça vous a plu. Même si j'ai failé, je me suis givé pas mal de choses, et... en espérant que ça vous plaît. Donc voilà. J'ai un peu réparé les choses, bon... faut qu'on soit à peu près carré hein, dans le truc. Donc on a trouvé du charbon. Alors on a récolté d'autres cobblestone. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Allez, ciao et à très bientôt pour l'épisode 3 de Light in Atlantis. Voilà, je me mets en F5 parce que c'est mieux. Voilà. Coucou. Allez, ciao.